J'imagine que vous vous demandez pourquoi je suis comme ça en fait. Pourquoi j'ai ce personnage-là dans un jeu? Franchement, est-ce que vous pensez qu'un jour ça arriverait? Je mets un petit sondage. Est-ce que vous penseriez qu'un jour ça arriverait? Eh bah ouais, parce qu'en fait on est sur le jeu Mount Your Friends. Oui, le nom est quand même vraiment. Vraiment abusé, surtout que en plus il y a ce personnage là. Franchement, ce personnage est à poil limite. Il a un caleçon, un gros bout de bite. Donc c'est un peu osé. Bon, option du coup je remets le son. Voilà, là on a le son. On le remet à 7 comme l'autre. Et voilà. Non, maintenant l'autre on va redescendre un peu. Voilà, on peut mettre à 4. Vous entendrez pas beaucoup normalement, donc voilà. Alors, là, en gros, c'est un jeu où en fait on va devoir monter sur nos amis. Donc c'est mieux de jouer en ligne, évidemment. D'ailleurs, on va essayer de faire des petites parties en ligne. Donc c'est serveur de 4 à chaque fois où on pourra faire des compétitions, des trucs du genre. Et bah ça va être vraiment hyper cool. Et avec Future Imagination. Donc là, d'abord, on a Basic Mountain qui est en mode solo. Ensuite, Other Mounting, donc ça c'est d'autres modes apparemment. Je vais pas tester celui-là. Ensuite, Play Online, donc pour jouer avec d'autres. Il y a dans Play Online, on peut créer un serveur, trouver un serveur, ou un serveur mondial par exemple. Apparemment, il y en a deux, je crois, voilà. Il n'y en avait que deux. Et ensuite, on a les options du coup. Customiser la team, ça je vais vous montrer après. Leaderboards. Alors du coup, là on va commencer Basic Climb 1v1. On a Custom aussi. 1v1 c'est contre un bot du coup. Donc voilà en basique déjà. En basique. Bon, je vais faire exprès de me suicider un moment parce que la dernière fois j'ai fait une partie beaucoup trop longue. J'ai fait une partie beaucoup trop longue tout à l'heure de What? Ces lunettes. J'ai fait ces lunettes 3D, j'ai fait une partie beaucoup trop longue, genre de moins 30-40 minutes. Donc j'ai pas trop envie de reproduire cette partie non plus pour le moment. Juste pour montrer le jeu quoi. Alors, voilà, là en gros vous contrôlez les touches. Vous avez les touches de base ici, que vous pouvez changer. Et le mieux comme ils disent c'est d'utiliser une manette. Voilà, là on peut. Et du coup, en gros, il faut à chaque fois monter plus haut qu'avant, que les autres persos qu'on a posés avant. Sinon, bah, on peut pas valider le tour et puis réussir. Ensuite, on a le temps là en haut. Dès qu'on arrive à zéro, bah, on perd. Voilà, donc on a 1 minute à chaque fois et ça devient de plus en plus compliqué. Parce que là, déjà, bon, là, on est bloqué un peu au sol. Mais vu qu'on va de plus en plus haut. En peu de temps, le temps ne change pas du tout. Genre, il s'en fout totalement de l'avancée que vous avez pris. Donc, bah en gros, c'est un peu plus compliqué après, voilà. Là, voilà. On peut mettre un perso au-dessus, et puis on a plein de persos, du coup, aussi. Voilà. Et bon, là, je vais faire exprès de perdre. Parce que, du coup, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne après, du coup. Donc. Hop, on va avancer un petit peu et on va faire exprès de perdre un peu là-haut. Voilà. Donc, on se décolle et voilà, on attend 30 secondes. Donc, bon, là, la partie, c'est rien du tout. Et puis, voilà, il va rester là-dedans. Et d'ailleurs, là, tant que vous validez pas, ça va pas compter que vous avez fini. Voilà. Ça met juste space to end turn. Mais bon, ça compte pas que vous avez fini. Par contre, si c'est à la fin, vous êtes là-dedans. Et que vous n'avez pas fait le truc validé. Donc valider c'est de base la touche espace comme ils disent. Si vous l'avez pas fait, bah je sais pas si ça vous fait perdre ou pas. Sans doute. Mais ça peut aussi vous faire gagner quand même. Donc je sais pas. Alors voilà, 3 secondes, 2 secondes et c'est écoulé. Donc là voilà, on a les 19 feet. Donc ça c'est le nombre de pieds en termes de hauteur. C'est l'hauteur qui compte pour la. Bah pour le mode solo et pour le mode bah multi en fait c'est tenir plus haut que votre ami ou que le bot. Donc là voilà on est en solo du coup ça met quelle hauteur on a réussi à monter.
19 pieds. Pas énorme, j'étais arrivé à 75. Donc là, return to menu échappe, enfin échappe, play again, et l'autre pour return to menu. Voilà. Donc exit to main menu. Et là, on va customiser le personnage. Donc là, bon, je l'ai un peu customisé déjà. Mais vous avez sinon, voilà, change team, add team. Donc là, vous avez déjà le truc pour charger l'équipe. Sinon, il y a delete en bas, donc del. C'est la touche supre, je crois, voilà. Bon, j'avais rien créé d'important là-dedans. Donc, add team, voilà, on met ce qu'on veut. Voilà, on va mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre team, voilà. C'est un nom tout à fait original. On approuve. C'est vraiment le nom le plus original au monde. Jamais j'aurais trouvé mieux. Body paint, donc là, la couleur de la peau. Enfin pas n'importe quelle couleur, mais il y a quand même beaucoup de dégradés, voilà. Ensuite on a la face, donc pour changer la tête, none ça met rien comme là en fait, ça se met de base. Les lunettes de soleil, donc après on a plein d'accessoires, on a ça par exemple. On en a certains qui rentrent pas entièrement dans le cadre lui, genre il couvre pas toute la tête par exemple. Et lui voilà, bah non plus, mais du coup c'est juste pour les éléments qu'il y aura en haut, ce que vous voulez mettre. Ensuite, sachant que ça va changer, ça vous pourrez pas le mettre si vous faites import head que je vais montrer après. Donc change face, voilà, on peut mettre, bon là c'est un petit foulard, je crois, un truc du genre, des lunettes, voilà. Ensuite le chapeau, donc bon ça peut être les cheveux aussi, là en vrai. Ça le fait pas du tout. Attendez, c'était body paint. Si on, ça le fait pas du tout quand même. Le chapeau, ouais, bof, bof. Bon, on va mettre celui-là, voilà, la bulle, parfait. Et ensuite, on a donc change body. Donc là, voilà, on peut lui mettre un petit tutu. Sinon, on peut changer son moodbeat de quel type il va être là-dedans aussi. Donc là c'est par exemple celui-là, là bon ça va être le même type de moodbeat mais plus haut qui va être tenu. Ensuite on a ouais non, celui-là on le voit pas en plus, lui c'est le seul en fait, c'est celui pour les femmes, pour c'est genre c'est le seul où on voit pas la bite se balancer dans tous les sens. Et ensuite, voilà, change body, on avait quoi qui pouvait nous tenir et faire un truc différent? Je crois que c'était, non, c'est, ouais, ok. Ce type-là, par exemple, voilà, là, ça vous change le type de pénis, et ça vous le met en une feuille à la place. Sinon, on a, hop, voilà, là, c'est un poisson d'avril, un truc sûr. Il y en a pas mal, là, on peut pas en rajouter en plus. Donc là on va faire none, on va laisser de base. Ensuite, en gros en rajouter plus parce que là on a import head par exemple. Donc là j'en ai rajouté une, sinon vous avez ça de base. C'est rien du tout. Si vous cliquez dessus et que vous dites ah merde putain la tête est vide, c'est chiant, bah juste change face, vous mettez none ou vous mettez votre tête, juste none, voilà, et puis ça enlève. Parce qu'après, voilà. Ah non, bon, ok, si on fait none, ça enlève pas le truc. Mais du coup, ça enlève juste la tête importée, voilà. Sinon, moi, j'ai rajouté une tête de Kuro Sensei. Bon, elle est vraiment hyper floue, vu que c'était une image plus grande que ça de base. Mais sinon, si vous faites des images de bonne taille, donc c'est 128 x 128 en termes de taille. Et c'est du PNG. Et du coup, si vous faites la bonne taille d'image, ça fonctionnera. Je vous mettrai le chemin d'accès sur votre PC où faut mettre les têtes. Ça pourrait vous être utile. Import body, bah ça je l'ai pas fait. Body template. Ok, ouais on peut carrément tout changer quoi en fait. Donc ça c'est abusé. En plus le truc c'est que c'est plusieurs images là du coup. C'est plusieurs images. Je crois que celle-là et celle-là par contre sont les mêmes. Mais c'est plusieurs images. Attendez. Change body. Voilà, none pour désactiver. C'est plusieurs images, du coup on peut tout customiser comme on veut. Bon, j'ai rien customisé pour le moment, mais on peut tout customiser. Et là, change team, bon, c'est juste pour
C'est pour changer le... Ah non, ouais, non, ok. C'est juste pour changer d'édition d'équipe. Voilà, back. Et on peut faire... Voilà, sauvegarder. Donc, on a Other Mountain. Donc là, voilà, single player mods et multiplayer. Ah, ok. Donc, ensuite, play online. Et on va... non, ouais, non. Ouais, non, on va plutôt faire... Ouais, parce que play online, il n'y a personne. Quasiment. Donc, custom claim, c'est get your teams 1v1. 1v1, je crois qu'on peut être contre un bot. Donc, bon, je suis pas sûr en vrai. En vrai, je suis pas sûr du tout. Je crois que non, mais... Mais bon, à la limite, c'est pas grave. On va pouvoir continuer comme ça quand même. Oh! Et voilà. Ah, bah, ok, player 2. Ouais, on va contrôler les deux joueurs du coup. Parce que, bah, je suis tout seul. Donc, je vais contrôler les deux joueurs. Et je vais essayer d'aller le plus haut possible. Enfin, le plus haut possible. Genre, durant ces 15. Ouais, c'est 8 minutes ensemble encore à peu près. Hop. W, S. Merde, W. Et voilà, du coup. Ah, ouais, voilà, du coup, il y a un perso qui a. Voilà, après, vous pouvez changer en gros. Je vais en faire là, du coup, vous pouvez changer. C'est dans. Non, c'est pas là-dedans. Ok, c'est pas là-dedans, c'est dans. Options. Change default team 1, vous pouvez mettre l'autre team. Et l'autre, bah, du coup, default team par exemple. Et là, ça va faire comme vous voulez, du coup. Donc là, voilà, bon, on a notre perso et en deuxième, on aura l'autre. Bon, on l'avait déjà de base, mais là, du coup, c'est pour le mettre à coup sûr. À chaque fois. Et pour changer, bah, du coup, vous remettez en défaut. Comme c'était marqué. Ah non, bon, ok, on a les deux pareils en fait. Bon, c'est pas grave, on a les deux pareils. W, A. Et hop, on monte. Allez, merde. Putain, c'est un peu galère. En plus, il y a les bruitages avec. Il y a les bruitages avec. C'est abusé. Ah. Merde. Qu'est-ce qu'il faut à l'envers déjà? Et c'est la touche D plutôt à mettre. C'est quand même galère des fois. Mais oh, yes! J'ai réussi. Yes, parce que des fois c'est un peu compliqué vu que du coup on est aux extrémités. Ah. Et il y a plein de il y a en fait on sait même pas quelle touche enlever des fois parce que les membres sont posés au même endroit. C'est le bordel avec les membres là. On le remarque dès qu'on est debout, ok, mais dès qu'on les bouge, on voit bien qu'ils sont particuliers normalement les membres. Ils sont pas du tout articulés normalement. Donc ça nous perd un petit peu des fois. D et W, voilà, comme ça on va plus haut. Hop, S, putain. Est-ce que je peux comme ça? Oh, j'ai réussi. J'ai posé juste un petit ongle. Le mec il pose juste un petit ongle. Allez, c'est parti. Allez, on monte tout là-haut. Voilà, merde. Ah, voilà, on monte. Et... Oh, voilà. Du coup, ils sont toutes jaunes. C'est la pyramide jaune. C'est une pyramide d'Égypte. Non, pas d'Égypte. Non, c'est pas une pyramide d'Égypte. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout une pyramide d'Égypte, mais c'est une pyramide toute jaune, du coup. Donc, voilà. C'est des gars surentraînés, comme vous voyez. C'est l'équipe de choc. Les coraux. Les coroés. Hashtag coroé dans les commentaires. C'est les Koroé, voilà. Donc, c'est une team juste inventée à l'instant et je devrais peut-être renommer la team en Koroé parce que team c'est pas tellement une équipe. Voilà, appeler une équipe team. Merde, qu'est-ce que je fous? Je me trompe de touche. C'est A et D qu'il faut enlever là. Et le S et le A et le D. Hop, voilà, parce que si je me perds ici, c'est un peu embêtant. En plus, il y a une musique épique derrière, donc c'est absolument fou, c'est génial ça. Merde, qu'est-ce que je... Non, oui. Putain, qu'est-ce que je foutais? Je reste immobile. Je reste en équilibre en fait. Ah. Voilà, dès qu'on fait des efforts de fou. Oh, non. Mais non, mais il est au-dessus, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Ah merde, il faut aller... Oh, t'es pas sérieux, il fallait aller au milieu? Forcément au milieu? Merde, du coup il y a un endroit où c'est pas compté. Ah, oh,
C'est encore plus compliqué s'il faut aller au milieu du coup. Parce que là, ça veut dire que je me suis mis tout à gauche, enfin tout à droite. Pour le côté droit, je me suis mis tout à droite. Et du coup, pour monter, je dois passer tout à droite. Bon, là, en vrai, c'est à peu près pareil pour la gauche. Ce que je peux remarquer, oui, c'est la même chose ici. C'est la même chose, ok. Mais là, voilà. En tout cas, voilà, là, on va pouvoir se mettre. Voilà, pour pas retomber. On se met ici. Voilà. Comme ça, là, on peut pas trop retomber là-haut dès qu'on est là-haut. On peut pas se tromper et puis tomber dans le trou et puis après rager parce qu'on n'a pas réussi. C'est bizarre, des fois vraiment ça veut pas le faire en fait. Là genre ça veut pas me mettre là-haut. Ok bon, des fois ça veut pas mais... Putain, c'est le S, oui c'est ça. Il faut être vraiment plus haut j'ai l'impression. Mais c'est bizarre parce qu'avant on avait juste besoin de mettre juste un poil. Tout à l'heure on pouvait juste mettre un poil. Enfin non vrai, il a la boule à Z c'est vrai. Il a la boule à Z, Koro, qu'est-ce que je dis? Mettre juste un poil. Bah, on va juste dire mettre le zizi qui pend alors. Parce que là, vraiment, le pénis il pend comme jamais. Ah! Non! Non, attrape! Attrape! Je fais ça pour rien! Non! Ok, bon. On va descendre. Voilà, monter comme ça. Parce que bon, je vais pas descendre comme j'allais le dire. C'est juste un problème que j'ai eu dans ma phrase. Est-ce que W il permet d'aller plus haut? Ah! Oh yes! Voilà, bah oui, là justement j'ai aussi à mettre juste. Bah. Un bout de main. Juste la main en fait. Bah, même pas un bout de main. D'ailleurs, c'est des gants qu'on a en fait. Si on regarde. Enfin, c'est un peu galère quand même vu qu'il y a les touches qui sont bien marquées dessus. Et d'ailleurs, si vous changez vos touches, ça va mettre vos nouvelles touches. Genre là, si c'est E à la place de D, ça mettra E, par exemple. Donc, voilà. Moi, je suis habitué avec WASD, donc j'ai laissé comme de base. C'est pas juste que le clavier m'a plu de base, c'est juste que j'avais pas cherché à changer les touches dès que je me suis entraîné. Donc, je me suis entraîné avec, et puis ça va. Ça va, j'y arrive un peu mieux avec que sans. Enfin, même largement mieux. Parce que si je suis avec les mauvaises touches, je galère un peu quand même. Hop, yes. Là, on est quand même plus haut que avant. On est bien plus haut. Là, on va... Merde, qu'est-ce qu'il fout? Non, c'est W, ok. Qu'est-ce qu'il fout? Voilà. Yeah. Oui, attends. Attends. Oh! On voyait bien la barre là qu'on pouvait monter, enfin la petite jauge. Qui nous dit qu'on peut appuyer sur espace pour finir le pour passer au tour suivant. Et là, bon, on va voir quelle équipe va perdre. Je sais pas si ça va montrer à quelle hauteur on sera allé. Peut-être que ça va le montrer. En tout cas, j'espère. W S. Hop. C'est de plus en plus compliqué cette pyramide. Et puis là, j'ai fait une erreur stratégique de merde. J'ai oublié de mettre des gens au milieu. Il y a un gros trou. Et j'ai mis le... Putain, j'aurais dû... Non, ouais, non, je pouvais pas. Ils étaient déjà dessus. Je pouvais pas mettre... Ouais, bon, attendez. Là, au moins, on va essayer de faire un truc correct. A, S. Truc correct, c'est-à-dire se mettre... Ici. Ouais, bon, ok, non. C'est pas si correct que ça. Je me suis trop monté dans les airs. En vrai, le but en solo, c'est d'aller le plus haut. Mais en multi, c'est pas d'aller plus haut, c'est de réussir, hop, à survivre le plus de tours possible que son pote. Donc là, je fais des trucs inutiles. Quoique, en fait, on peut quand même faire les enculés avec ses potes. Mais là, vu que je suis tout seul, c'est un peu embêtant, quoi. C'est complètement stupide de vouloir s'handicaper alors que je suis tout seul. Bon, voilà, je me pends un petit peu parce que voilà, j'ai envie d'attendre. Pour me presser juste après et... Merde. J'aurais... Voilà, nickel. Là, je suis concentré sur mes coraux de compétition à faire monter. Parce que franchement, c'est un tournoi hors pair. Et d'ailleurs, si vous faites genre les tournois Future Imagination, on va en organiser dessus, sur ce jeu. Et si vous y participez, les gars, mettez pas des persos de base, mettez des persos custom comme moi. À la limite, vous pouvez customiser aussi le corps si vous voulez.
pas juste la couleur, mais l'image aussi. Mais mettez des persos custom, genre pour la tête, vous pouvez changer comme moi. Ça peut être drôle, quoi. Ça peut être tellement drôle qu'on ait des équipes comme ça, quoi. Comme ils appellent ça en plus. Oh non, merde. Oui, non, non. Heureusement que je vais pas trop vite, parce que si je vais trop vite, je perdrai tous les contrôles, je tomberai tout en bas. J'ai bien réussi à tomber tout en bas parce que je me suis trompé de touche à enlever. Mais c'est pas arrivé beaucoup de fois. Et hop! C'est comme ça qu'il faut se balancer. Regardez le pro faire et vous saurez faire. Regardez-moi faire, vous voyez? C'est comme ça. Bon, là, certes, c'est pas comme ça ici actuellement qu'il faut faire. Parce que là, je fais n'importe quoi. Mais en règle générale, c'est à peu près. Voilà. C'est à peu près comme ça qu'il faut essayer de faire. Donc, c'est prendre les touches les plus basses. Et là, prendre les touches les plus loin à chaque fois. Pour se dé. Non, pas lui. Non, qu'est-ce que. Ok. J'ai fait le con. Ah, oh bon non, en fait ça va. Ça va, on est tranquille là. C'est S qu'il faut monter. Voilà. Donc en gros, pour contrôler, vous appuyez sur la touche en continu, vous laissez appuyer et vous dirigez où vous voulez la mettre. Et ça va la mettre où vous voulez. Là, par exemple. Ouais, bon, je vais montrer juste là. Là, voilà. S, W, ça me l'envoie au jeu. Après, sinon, il y a. Dès qu'on doit se balancer là, il faut mettre un petit effort de pression. Voilà. Ah. Voilà, du coup là il faut mettre un petit effort. Des fois ça le fait pas du premier coup. Hop. Et là on a les membres tout entortillés, donc il faut essayer de les mettre un peu droit quand même. Ou alors avancer comme ça si c'est votre technique. Si c'est une technique plus simple pour vous. Mais je pense pas que ce soit très efficace. Merde. Des. Ah. J'étais entre deux touches sur mon clavier, j'ai failli perdre là. Voilà, du coup on se propulse un peu. Et là, faut prendre avec le. Merde. Avec le D. Voilà. Oh, attendez. Oui, on l'a. Parfait. Bon, quoique, ça sera compliqué à le remonter après. Donc, je sais pas si c'était une bonne idée vraiment de le mettre là. Mais on va bien voir ce que ça donne après. En vrai, les cris, on dirait. Enfin, les bruits. En vrai, les bruits, on dirait. Genre, les bruits dès que. En vrai, les bruits dès qu'il bouge. Genre, dès qu'il fait un gros mouvement. On dirait trop des bruits de vieillard. J'ai pas forcément remarqué au début. Mais c'est pas des bruits de mec normal qui fait du sport. Merde, qu'est-ce que je fous? Non! Non, non! Non, mais que. Non! Putain! Je vous ai dit, il faut reboucher les trous. Parce que là, je suis tombé dans le trou pour essayer de remonter. Putain. Et là, du coup, bah voilà, on monte. J'ai fait 50 pieds de haut. C'est bien quand même. Pour une partie. C'est pas vous, vous allez sûrement me battre. Mais en termes de partie comme ça, juste tranquille, c'est quand même plutôt bien 50 pieds de haut. Enfin, c'est normal en fait. Mais du coup, c'est plutôt cool quand même. J'ai fait 75 la dernière fois. Hop. On retourne au menu. Voilà. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il nous montre un personnage violet. Tout à l'heure, ouais, là en fait, dès qu'on clique sur le truc, ça nous met un perso différent à chaque fois. Là, on voit par exemple, c'est un perso couleur peau blanche avec les bandeaux bleus. Là, ça met bon couleur peau blanche pareil, mais les bandeaux changent de couleur et puis ça peut changer la couleur de peau aussi. Voilà, par exemple, couleur de peau noire ici. Là, bon, c'est blanc aussi. Mais bon, bref, je vais pas décrire les personnages un par un. Ça va être trop long déjà et ça va être chiant à mourir. Donc, voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc,
Si vous avez aimé la vidéo, donc ce jeu a déjà été présenté il y a 4 ans et quelques par d'autres personnes. Mais vu que je le trouve cool et que j'y joue depuis pas mal de temps et que j'ai envie de le présenter aussi, et bah je l'ai présenté du coup. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, et d'ailleurs on va essayer de faire des tournois dessus, etc. Des petits events en plus. Ça pourrait être drôle, voilà. Plus que pour la, je pense d'ailleurs. Ça pourrait être plus drôle. Donc voilà. Sachant que là en ce moment je suis disponible toutes les vacances, donc je vais pouvoir personnellement organiser ces concours simplement et puis m'entraîner en plus. Ça va être le seul jeu. Genre, ce qu'on va dire, je vais essayer de vous battre à ce jeu, sachant que c'est un jeu auquel personne n'a d'expérience quasiment. J'en suis quasiment certain. Parce que déjà ça fait 4 ans qu'il est sorti. Donc peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui joue en solo. Et même en multi, il n'y a pas tellement de monde. Genre, Play Online, World Server, là on en a que deux. Si on se connecte, voilà, on est sur un serveur avec... Ah, you were kicked. Oh merde. Voilà, bon, je me suis fait kick en plus par le mec. Mais du coup, là, voilà, l'autre, on se fait pas kick. Et bon, lui, il est allumé son serveur il y a 2 heures peut-être. Parce que j'ai testé il y a 2 heures, un truc du genre. Ils étaient toujours là. Il y a personne qui a rejoint apparemment. Bon, bref, du coup, faudrait qu'on amène quand même des gens sur les serveurs, au moins qu'on fasse des events dessus. Parce que là, il y a personne et puis c'est quand même un jeu drôle. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Donc une vue égale un like, c'est très important pour le développement de la chaîne. Vous abonner parce que il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc je vous en prie, faites-le. Voilà, et voilà, moi je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo, et puis la semaine prochaine, donc samedi ou dimanche. Là j'ai juste, comme je l'avais annoncé sur Twitter, j'ai juste mis un jour plus tard, au lieu de samedi, genre il n'y a pas eu de vidéo hier, parce que du coup j'étais un peu trop en retard sur les records. Donc voilà, bon bref, du coup c'est pour ça que ça sort dimanche, mais d'habitude ça sort le samedi, le jeu de la semaine. Donc à samedi prochain pour le jeu de la semaine. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Darkbow. Sur ce, du coup, c'était Darkbow. Tchuss !